On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un grand classique des jeux de société, Talisman, qui est un jeu qui a été initialement publié dans les années 80 par Games Workshop, et qui était en fait une sorte de jeu d'initiation au jeu de rôle, on va dire. Il a très très simplifié d'aborder les thèmes de l'Heroic Fantasy. Bon, pour résumer, on pourrait dire que c'est une sorte de jeu de loi modifié pour pouvoir découvrir un univers d'Heroic Fantasy avec des monstres, des trolls, des sorts, des nains, des elfes, de la magie, du combat, voilà, tous les grands thèmes classiques dans l'Heroic Fantasy. Alors, Talisman, c'est un jeu que j'avais découvert quand j'étais gamin et qui a été réédité il y a quelques années par Edge. Donc là, c'est la quatrième édition, justement. Donc une édition assez belle, avec un beau matériel. J'ai trouvé sur Internet une petite variante pour pouvoir y jouer en mode solo. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout si ça va être intéressant ou pas. Talisman, c'est vraiment un jeu où la stratégie n'a pas beaucoup de place, où les dés ont beaucoup de pouvoir, on va dire, et qui se prêtent très bien à une soirée entre amis avec quelques bières autour de la table. Pas besoin de réfléchir beaucoup et on s'amuse pas mal. Donc j'étais assez sceptique sur la façon de jouer à ce jeu en solo, mais bon, j'avais envie de tester le coup et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc déjà, avant de parler de la variante solo, peut-être rappeler un peu le principe du jeu. On a un plateau assez grand, hein, quand même, assez mastoc, qui est en fait découpé en trois zones, en trois cercles. On a la zone externe, qui représente en fait le monde normal, on va dire, avec des tavernes, des collines. Voilà, en gros, dans les coins du plateau, on a plutôt des villes. Et puis, sur les côtés, c'est un peu des paysages, des collines, des grottes. Et c'est finalement le monde normal. Ce premier cercle, c'est l'endroit où les personnages vont démarrer. Donc là, par exemple, je vais jouer avec deux personnages. Le guerrier, et tout au bout là-bas, on a le troll. Alors ils démarrent sur les cases qui sont spécifiées sur leur fiche personnage. On va voir juste après. On a donc ce premier cercle autour du plateau, et les personnages vont pouvoir évoluer dessus à leur gré. Ils vont faire des rencontres en fait dans chaque case, et ils vont pouvoir évoluer, et on va voir ça après. Ils ont le moyen de gagner en fait en expérience et de devenir de plus en plus forts et de plus en plus équipés. L'objectif du jeu est d'arriver sur la dernière case du jeu, qui est en fait le centre du plateau, qui est la couronne de commandement. Pour arriver ici, on va devoir donc passer du cercle externe au cercle intermédiaire et au centre. C'est en fait trois phases de jeu différentes. Quand on est sur le cercle externe, et dans un mode de difficulté normal. Si on rencontre des monstres, ils seront tels qu'ils sont précisés par les cartes. Ils ont un niveau de difficulté assez simple, on va dire. Pour pouvoir passer au cercle suivant, il faut être capable de battre la sentinelle qui est ici, qui est donc une case spéciale. Lorsqu'on s'arrête dessus, on peut choisir d'affronter la sentinelle. Elle a une force de 9. On reviendra après au niveau du combat. Il faut donc réussir un combat contre elle. Si on réussit un combat contre elle, ça veut dire qu'on réussit à passer. Et on peut donc arriver sur cette case. Et on se retrouve donc dans le cercle intermédiaire. Il y a également une alternative pour arriver ici. On constate qu'il y a une rivière en fait, qui sépare tout le long le cercle externe du cercle intermédiaire. Il y a certains moyens, parfois, de pouvoir traverser cette rivière directement, soit en ayant un bateau, ou soit, par exemple, dans la taverne ici, si ma mémoire est bonne. Voilà. Si on fait un 6, c'est... Alors voilà, on a un battleur qui propose de nous faire traverser. Donc voilà, il y a quelques alternatives pour pouvoir traverser. La façon la plus commune étant quand même de battre la sentinelle. Et puis la sentinelle, c'est un bon indicateur du niveau qu'il faut avoir avant d'aller là. Elle a une force de 9, donc il faut être capable de la battre sans trop de difficulté pour être là. Donc quelque part, l'objectif premier est d'essayer d'atteindre un niveau de 10 à peu près en combat.
avant de sortir de la zone externe. Ensuite, quand on arrive ici, c'est déjà un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de cases qui vont augmenter la force des ennemis qu'on va rencontrer. Et notamment, il y a des cases aussi qui sont dangereuses. Par exemple, si on n'a pas, si on n'a pas de gourde, si ma mémoire est bonne, dans le désert, on perd de la vie. Et surtout, il va falloir aussi être encore plus fort, puisque pour pouvoir arriver dans le centre, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de réussir à ouvrir la porte du pouvoir. Et la porte du pouvoir, c'est un test soit de force, soit d'intellect. On verra ça après en regardant les personnages. Et on nous demande de faire un test assez difficile. Donc, on va se remémorer ça ensemble dès maintenant pour bien avoir en tête les objectifs du jeu. Donc, alors voilà, on a le choix. Quand on arrive ici, on a le choix. Soit on fait ce qui est écrit ici, soit on peut choisir d'ouvrir la porte. Voilà, donc si. Alors, on va essayer de faire ça plus simple. Ne piochez pas de carte s'il y en a déjà une dans cette case. Si vous traversez le portail pour vous rendre sur la plaine du péril, donc c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire la plaine du péril, c'est la case qui est juste après. Voilà, donc c'est bien ça. Soit on décide de piocher une carte, donc ça on verra que c'est la manière classique de faire la rencontre sur la case où on est, soit on décide d'ouvrir la porte. Donc. Voilà, donc si vous traversez le portail, ne piochez pas de carte, à la place vous devez utiliser l'intellect pour crocheter la serrure ou la force pour la forcer. Donc on a le choix d'utiliser soit l'intellect ou la force du personnage. Et voilà comment ça fonctionne, on choisit la compétence que vous utilisez pour lancer les deux dés. Donc par exemple, imaginons qu'on prend la force du personnage et on lance 2 dés, et si le total est inférieur ou égal à votre compétence choisie, la porte est ouverte. Sinon, on reste ici, on perd un de cette compétence. Donc c'est très difficile au final, puisque avec 2 dés, il faut faire un score inférieur ou égal à la compétence. Donc en moyenne, avec 2 dés, on fait 7, statistiquement. Donc ça veut dire que là encore, être autour de 10, c'est une bonne idée. Hein, c'est augmenter les chances de réussir dans la porte, et surtout si on échoue, on perd un point dans cette compétence-là. L'effort est trop difficile et le personnage se blesse. Ça devient donc plus difficile pour lui le tour suivant. Dernière difficulté, une fois qu'on est passé ici, on va être bloqué sur cette case-là, si ma mémoire est bonne, qui est la case qui permet d'accéder à l'escalier, en fait qui est la case qui permet de gagner le jeu, si on n'a pas de talisman, d'où le nom du jeu. Et le talisman, c'est un objet spécial, donc il y a des cartes talisman comme ça, et il faut donc impérativement avoir un talisman pour pouvoir arriver sur la dernière case du jeu. C'est obligatoire. Voilà, donc pour résumer, les personnages doivent évoluer sur le plateau, booster leurs compétences pour avoir un niveau correct pour pouvoir évoluer dans les cercles concentriques du jeu et trouver un talisman pour pouvoir arriver sur la dernière case. Si un personnage finit son tour sur la case de commandement, il gagne le jeu. Alors quand on joue dans le jeu avec d'autres joueurs, c'est un peu plus compliqué que ça. Une fois qu'on est sur la case de commandement, il faut réussir un test pour éliminer les autres joueurs. Là, on va être dans un mode solo, il n'y aura pas ça, on dira qu'on gagne le jeu si on réussit à faire arriver un personnage ici. Maintenant, la variante solo est très simple. J'ai mis une figurine ici de spectre. Et ce spectre, en fait, va être un marqueur temporel. À chaque fois que je ferai un 1 pour me déplacer avec un dé, cette figurine avancera d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre. Et elle n'est pas attaquable, en fait elle est complètement invisible, hein, c'est pour ça que le spectre c'est pas mal pour la représenter. Et elle avance systématiquement, elle n'est soumise à aucune contrainte. Donc par exemple, ici, elle fera son premier mouvement là, et son mouvement suivant, elle passera à la sentinelle, elle arrivera là, etc. etc., etc. Si jamais cette figurine arrive sur la couronne de commandement avant moi, j'ai perdu. Voilà, c'est tout simple.
voir ce que ça va donner. Donc il y a, j'ai compté, il y a 20 cases qui la séparent de la fin du jeu. Ce qui veut dire que je dois réussir à gagner le jeu en moins, non pas en moins de 20 tours, mais je n'ai que 21 autorisés sur mes dés de déplacement. Et j'ai deux personnages. Voilà, donc maintenant on va finir l'introduction en présentant un petit peu les fiches de personnages, justement. Donc c'est très simple, on a un personnage, il a deux compétences, force et intellect. Et il a des pièces d'or, donc les personnages démarrent avec une pièce d'or qui sont là, des points de vie, donc le troll par exemple en a 6, donc en fait il y a un gros pion et un petit pion, le gros pion vaut 5 et le petit vaut 1. Et puis il y a des capacités spéciales. Alors, par exemple, le troll, donc il y a certaines cases sur lesquelles il est immunisé. Par exemple, au rocher, il n'est pas obligé de lancer de dés, donc on verra si on tombe dessus. Et surtout, ce qui est intéressant pour lui, c'est que lorsqu'on obtient un 6 pour se déplacer, on peut régénérer un point de vie au lieu de se déplacer. Et dans ce cas-là, on ne se déplace pas. Donc le troll, c'est une créature très résistante et force 6. Et 6 points de vie, c'est très rare. Il est vraiment très fort. Par contre, il a un intellect 1, donc il est très très sensible à la magie. Alors, il y a aussi le point de destin hein, qui peut servir pour relancer un truc. Et le guerrier, lui, sa capacité, c'est qu'il a la possibilité d'utiliser deux armes en même temps, chose qui est normalement impossible. Et très intéressant, quand il combat, il lance 2 dés et il prend le meilleur. Donc ça, c'est aussi très puissant. Un point de destin également, une pièce d'or. Et il a 5 points de vie pour démarrer le jeu. Voilà. Ensuite, on verra qu'on peut gagner des objets et des suivants. Les suivants, c'est des personnages bah, qui nous suivent, hein, tout simplement. Et les objets, bah, ça peut nous aider à avoir un équipement pour booster un petit peu tout ça. Le combat pour terminer, c'est très simple, lorsqu'on rencontre un adversaire, on jette un dé pour l'adversaire, un dé pour le personnage, on additionne la force aux deux et il faut faire un score supérieur à celui de l'adversaire pour le battre. Si c'est le cas, il est tué et il est conservé comme trophée, ce n'est pas le cas, on perd un point de vie et en cas de match nul, il ne se passe rien. Lorsqu'on obtient 7 points en additionnant les forces des créatures qu'on a battues en trophée, on les défausse et on obtient un point en force supplémentaire. C'est la manière de représenter l'expérience du jeu. Voilà pour l'introduction, on va démarrer et puis on va voir ce que donne cette variante. Alors, on va commencer par le troll qui est ici. Alors on a le choix d'aller à droite ou à gauche en permanence, c'est d'ailleurs presque la seule stratégie du jeu possible. Donc on va jeter un dé et on va voir de combien de cases on va pouvoir se déplacer. Donc on fait 6 et on va regarder où est-ce que ça nous amène à gauche et où est-ce que ça nous amène à droite. Donc l'objectif au début du jeu c'est vraiment de faire des rencontres et d'essayer de combattre des ennemis. Donc 6... Ça nous amène au cimetière. Alors le cimetière, ça dépend de l'alignement. L'alignement du troll est neutre. Alors qu'est-ce qui se passe pour un alignement neutre? On récupère du destin jusqu'à la valeur de destin au coût d'une pièce d'or. C'est pour racheter du destin en fait. Pour un autre. On ne s'intéresse pas beaucoup puisqu'on est déjà au max du destin. Et si on va ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est dans les collines. Là et on piocherait une carte, et ben c'est la carte, la case classique, c'est ce qu'on va faire. Donc on vient ici. Donc là, typiquement, ben c'est écrit piocher une carte, donc c'est ce qu'on appelle faire une rencontre. Donc on va, je vais mettre une pioche ici, ce sera plus pratique. On va donc piocher une carte événement qui va symboliser ce que le troll rencontre ici. Alors, bâton, donc on a trouvé un objet magique. Vous pouvez toujours avoir au moins un sort si votre intellect le permet. Gagnez un sort chaque fois que vous lancez votre dernier sort. Alors ça, bon,
C'est un petit peu ironique puisque le troll est trop bête pour avoir des sorts, il n'a qu'un en intellect, et on peut commencer à avoir un sort si on a trois en intellect. Donc cet objet ne va pas lui être très utile. Mais bon, il a trouvé cet objet. On le stocke. Et le tour du troll est terminé, c'est donc maintenant au guerrier. Donc on va voir de combien il peut se déplacer. Il fait 3. Alors, 3 pour le guerrier. 1, 2 et 3, ça lui permet de piocher une carte, c'est très bien, on va faire ça. Donc, même chose, on va piocher une carte pour le guerrier. Et voir ce qu'il rencontre. Étang de vie. Donc, placez 4 pions vie ici. Pendant quand ce lieu est révélé, vous pouvez vous baigner à cet étang une fois par visite pour y prendre un pion vie, que vous ajoutez à votre total. Quand les 4 pions vie ont été pris, l'étang vie disparaît. Donc ça doit être vraiment une exception. En général, on ne peut pas dépasser les points de vie initiaux, mais cette carte-là, clairement, le permet. Hein, ce n'est pas écrit récupérer des pions de vie, mais c'est écrit ajoutez-le à votre total. Donc en gros, on gagne un point de vie et il en reste 3 sur cette case. Donc on va placer les points de vie comme indiqué. Je vais en mettre 3 sur la carte puisque le premier est automatiquement pris par le guerrier. Et le guerrier se retrouve donc à 6 points de vie. Voilà. On reprend avec le troll. Donc là c'est vraiment, on va voir en live hein, si ce mode solo est jouable ou pas. Je suis assez curieux de voir à quelle vitesse le spectre va se déplacer. Et c'est reparti. Ah bah tiens, voilà, bingo. Donc ça, c'est le 1 hein, sur le dé. Donc, on dirait que le spectre m'a entendu. Donc première chose, on avance d'une case. Ok, donc on a fait 1. Le spectre bouge et le troll, bah du coup le troll là, il a le choix. Avec 1, il peut venir ici et prendre un point de vie ou il peut venir là et piocher une carte. Comme le troll il se régénère et qu'il a déjà 6 points de vie, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Je vais aller ici et piocher une carte. Spectre. Alors ça va faire mal parce que justement ça attaque avec l'intellect et mon troll il n'a que 1 intellect. Un fantôme apparaît. Ah, il apparaît pas forcément ici. Ok. Donc on va lancer un dé pour savoir où il apparaît. On a fait 3. Alors on fait 3. Donc où est-ce qu'il apparaît? Alors il apparaît au cimetière. Il hante maintenant cette zone et il reste. Voilà, donc toutes les personnes qui arriveront sur le cimetière se feront attaquer par un spectre. Alors, le cimetière, il sait donc la case qu'on avait vue tout à l'heure, et donc il est là. Donc ça veut dire que si le personnage arrive ici, il devra affronter le spectre. Ok. On continue avec le guerrier. 6. Alors 6, ça peut m'amener aux plaines ici, donc je vais y aller, ça me permet de faire une rencontre classique. C'est l'objectif, hein, faire le maximum de rencontres. Alors là, on tombe dans un labyrinthe. Le labyrinthe reste ici, donc ça c'est pas terrible en général. Quand vous arrivez ici, si votre intellect est inférieur à 5, vous passez un tour. Donc là typiquement, mon guerrier s'est perdu dans un labyrinthe. Et donc il passe un tour, donc on l'incline comme ça, et à son tour prochain, il ne pourra que se relever. Le troll continue d'avancer. Il fait 6 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut arriver aux champs qui sont là. De faire une rencontre. Voilà, on voit bien que le jeu n'est pas très compliqué, hein. Mais c'est plus un jeu vraiment fun. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique en mode solo. À mon avis, ça risque de pas être si intéressant que ça. Mais bon, on va voir. Le bandit. Alors là, typiquement, voilà, notre premier monstre vient d'arriver. Donc là, dans les champs, il y avait un bandit qui se planquait et il essaye d'attaquer le troll. Donc il a une force de 4.
Un bandit est en maraude dans cette zone, il vous attaque, et si vous payez une pièce d'or, il vous attaque, pardon, il ne... Oh là là, c'est... Je reprends, il ne vous attaque pas si vous payez une pièce d'or. Il reste ici jusqu'à ce qu'il soit tué. On va l'attaquer, de toute façon notre objectif, nous, c'est de tuer le maximum de monstres. Donc il a une force de 4, ça va être notre premier combat. Et donc, c'est assez simple. On va jeter un dé pour l'ennemi. Et un dé pour le troll. Alors, on va commencer pour l'ennemi, pour voir combien il fait. Il fait 1, donc 4 et 1, 5. Et le troll a nécessairement gagné puisqu'il a 6 de force. Même pas besoin de jeter de dé. Il est donc mort. C'est donc notre premier trophée. Dès qu'on en aura un autre qui aura une force d'au moins 3, on pourra les défausser et gagner un point de force. Premier trophée pour le troll. Bien, maintenant le guerrier sort du labyrinthe et c'est la seule chose qu'il peut faire pendant ce tour-là. Et on revient sur le troll qui se déplace. 6 encore, décidément. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, il va revenir là d'où il vient, hein, c'est simple. Et il va piocher à nouveau un événement. Décidément, il y a un amas de bandits en ce moment. La même chose, hein. Il est en train de nous nettoyer les bandits du coin. Donc, combien fait le bandit? 2. Pas très fort en plus. 2, donc 4 et 2, 6. Même chose, le troll à 6, donc au pire il fera 1, il fera donc 7. Il le bat. On obtient donc un deuxième trophée bandit. Et on va les défausser dès maintenant. 4 et 4, 8. On les défausse et on va obtenir un point en force supplémentaire. Alors bien sûr, on perd, on ne rend pas la monnaie hein, sur l'expérience. Donc ces deux cartes-là sont défaussées. Et le troll gagne un point en force supplémentaire. Donc on représente par un jeton rouge qu'on place sur la carte du troll et c'est donc un bonus sur sa force. Et donc maintenant, on considère donc maintenant qu'il a 7 en force. Donc c'est un peu un jeu de mobile, hein. Vous l'avez probablement remarqué. Donc là, maintenant, on va pouvoir jouer avec le guerrier qui fait 4. Et donc, le guerrier, il va aller dans les champs. Ici, avec 4 mouvements. Et il va faire une rencontre. On voit que pour l'instant, le spectre ne bouge pas. Donc, ça m'a l'air jouable pour l'instant. Même si, bon, ça peut être des parties assez longues, talisman. Alors, on rencontre donc un ogre. Une force 5. Cette zone a l'air très intéressante. Il m'a mis une petite faute sur cette carte. Pour cet ogre. Ici jusqu'à ce qu'il saute. Voilà, donc c'est un ennemi, force 5. Donc le guerrier, il a 4 en force, donc là il y a un petit challenge. Alors on va jeter pour l'ogre déjà. Il fait 1, on a de la chance, donc 4 et 1, 5, 5 et 1, 6, et il a donc fait un total de 6. Le guerrier a une force de 4, mais il jette 2 dés et on prendra le meilleur. On prend donc 4, donc le guerrier a 8 de force, 8 contre 6, on gagne. Voilà donc le premier trophée du guerrier. Ensuite, c'est au troll de se déplacer, et il fait 5. Il va revenir dans les champs ici. Et on va voir ce qu'il pioche. Ah, alors ça par contre, en général, ça fait mal. Donc là, il y a un dragon. Hein. Peut-être un des dragons de Daenerys Targaryen qui s'est perdu. Force 7. Bon, bah voilà, force 7. Alors heureusement, mon troll est passé force 7 juste avant. Donc là, combat à égalité entre le dragon et le troll. Donc le dragon crache son feu. Et fait un 4. C'est en fait un combat de dés, hein, vu qu'on a la même force. Maintenant, le troll fait un 2. Donc, le troll a perdu, et il perd donc un point de vie.
on enlève le bruit. Ensuite, c'est au guerrier de se déplacer. Et il fait 1. Deuxième mouvement du spectre qui passe donc ici. Alors, 1, en gros, le guerrier, là, soit il se retrouve dans le cimetière et il devra affronter un spectre d'intellect 4. Ça m'intéresse pas beaucoup parce que je veux me focaliser sur la force. Soit il peut arriver au village. Alors, au village, on a le choix. Soit on rencontre l'occultiste et on lance un dé et on voit que, en gros, ça peut soit nous faire gagner un intellect ou un sort, donc ça c'est vraiment plutôt pour des magiciens, ça ne nous intéresse pas trop. Ou soit on peut rendre visite au forgeron, ce qui permet de faire des achats, mais j'ai qu'une pièce d'or donc c'est pas terrible. Ou alors le guérisseur et on peut soigner de la vie. Bon, bah en gros, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse là. C'est un peu un tour perdu là. Bon, bah je vais tenter l'occultiste. Hein. Allez, c'est pas très grave. Donc on va donc jeter un dé et on va voir ce qui va se passer. Avec le risque de devenir mauvais. Alors. On jette un dé et on fait 1, et ben voilà, typiquement, le guerrier est devenu mauvais. Donc on a cette petite carte là qui représente l'alignement mauvais qu'on place sur la fiche de personnage. On verra que ça pourra avoir une influence sur certaines cartes. Probablement l'esprit du spectre qui a bougé qui a influencé le guerrier. Le troll. Alors le troll fait 1, donc le spectre justement avance encore d'une case, et donc il est donc ici. Et pour le troll, on va donc se déplacer là. Ah bah, on trouve un radeau, donc ça c'est pas mal, ça va pouvoir nous accélérer un petit peu pour le troll. À votre prochain tour, au lieu de vous déplacer normalement, vous pouvez choisir de traverser le fleuve vers une case opposée à celle où vous êtes, que vous traversiez ou vous défaussez le radeau, car vous ne pouvez pas le transporter. Donc ça, c'est intéressant, parce que le troll, il a une force de 7. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais on va quand même tenter le coup au tour prochain. Ça permettra de voir ce qui se passe dans les cercles intermédiaires. On fera ça au tour juste après, pour le troll. Maintenant, c'est au guerrier, au méchant guerrier, donc, désormais, de se déplacer. Il fait, hein, le spectre a décidé d'avancer rapidement, sans l'arrivée prochaine du troll. C'est pas si mal, ça, finalement, ce mode. On va voir ce que ça donne. Donc, on a fait 1, on peut donc aller dans les champs, ou dans les champs. Donc, on ira dans les champs. Donc, on se trouve ici, et on pioche et on trouve 2 sacs d'or. Défaussez immédiatement cette carte dans la pile et gagnez 2 pièces d'or. Donc je prends 2 pièces d'or. Donc ça c'est pas mal, ça va permettre aux guerriers de faire des achats. Du coup là maintenant ce serait bien de retomber chez le forgeron. Ça permettrait d'acheter de l'équipement. Au troll maintenant, donc au lieu de se déplacer normalement, on défausse le radeau et on traverse. Du coup, on se retrouve dans les bois. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que c'est une case assez neutre. Et voilà, on a réussi à traverser grâce au radeau. Le troll a donc fait déjà un premier objectif. Alors il a 7 de force, c'est un petit peu juste. Hein. Normalement, voilà, ce que je disais dans l'introduction, la sentinelle à 9. Voilà, ça pose un petit peu, ça donne un bon indicateur sur le niveau qu'il faut avoir en général pour être ici. Mais bon, 7, on va dire, c'est vraiment le minimum syndical. On va tenter le coup. On se retrouve donc ici et on fait la rencontre, on pioche une carte. On trouve une épée. Ouais, là, pour l'instant, le troll, c'est pas mal. Hein. Il trouve le radeau, il trouve l'épée directe, donc il aura un petit plus 1 en combat grâce à cette arme.
Ce qui lui fera quand même une attaque de 8, hein. Il a 7 en force, depuis son bonus. Donc il le donnera donc désormais 8 quand il attaquera. Ce qui est pas mal. Guerrier maintenant. Qui peut se déplacer. 1, décidément. C'est peut-être son alignement mauvais qui booste le spectre là-bas. Et ben d'un autre côté, ce 1 lui permet de revenir au village et cette fois-ci de rencontrer le forgeron. Donc le forgeron, on peut faire les achats de notre choix. Alors on a un home pour 2 pièces d'or, une épée pour 2 pièces d'or, une hache pour 3 pièces d'or, bouclier pour 3 pièces d'or ou armure pour 4. Donc moi j'ai 3 pièces d'or, donc je vais prendre la hache. Donc là je vais aller chercher dans l'équipement la carte de la hache. Alors je vais chercher ça. Dès que je la trouve, on va la regarder. Voilà, elle est là. Alors la hache, elle permet d'ajouter 1 à la force durant le combat. Si vous... Ah ouais, non, elle permet juste ça. Bon, c'est peut-être pas si intéressant que ça au final. Quoique, si, je dis des bêtises. Ça va pouvoir m'accélérer parce que ça va permettre de créer un radeau si je suis dans un bois ou une forêt. Donc, et en plus, j'ai un plus 1 en force. On va faire ça, on prend la hache. Donc le guerrier a une hache, il a un bonus de plus 1 en force. Et au passage, s'il s'arrête dans une case bois ou forêt, il aura la possibilité de créer un radeau et de traverser au tour suivant. Donc je défausse ses pièces d'or au passage, hein, puisqu'il ne les a pas volées. Il n'a pas volé sa hache. Et c'est au troll. Alors le troll. 2. Alors là, on a le choix entre arriver au château. Le château qui est là. Alors, docteur royal. Donc ça permet de nous soigner. Ça permet de nous soigner. Le troll, il avait perdu effectivement une vie, mais en même temps, il peut se régénérer quand il fait 6. C'est pas très intéressant. Ou alors, ça nous permet d'arriver dans le désert. Mais le problème du désert, c'est qu'on perd une vie et on pioche une carte. Et on ne perd pas de vie si on a une jarre d'eau. On va tenter le coup, hein. Voilà, c'est un troll, il se régénère, il est assez résistant, donc il va dans le désert malgré le fait qu'il n'a pas d'eau sur lui. Il perd donc une vie, il passe donc à 4. Je joue volontairement un peu violemment pour pas perdre de temps, hein, parce que on joue contre la montre. Voilà, donc je mets 4 pions de vie au lieu du gros pion qui en vaut 5 sur le troll. Donc on est dans cet état-là désormais. Et on pioche une carte dans le désert. Donc là on voit déjà un petit peu la difficulté supplémentaire. Il y a des cases hostiles. Alors il trouve un portail runique. À votre prochain tour, au lieu de vous déplacer, vous pouvez vous téléporter sur un autre portail runique visible ou sur une case rune. Une fois que le portail runique a été utilisé, il disparaît dans la pile de défense. Donc comme il n'y a pas d'autre portail runique, ça permettrait d'arriver sur les runes. Et les runes, en fait, ça tombe bien, enfin ça tombe bien, c'est assez cohérent, c'est une case de la couronne intermédiaire. Ce serait là. Ça permet donc de se téléporter là au tour prochain. On verra tout à l'heure ce que veut dire cette case. Le guerrier. Le guerrier, il aurait besoin de rencontrer des monstres pour gagner un peu d'expérience. Il fait 3. Alors 3, ça lui permet d'arriver ici pour piocher une carte. Allez, il va aller là, comme ça il ne s'éloigne pas trop de la sentinelle. Et il va donc piocher une carte. Alors, voilà, on est servi, un ennemi. Alors ça, on voit la petite icône ici, ça vient d'une extension, l'extension donjon. Bon, avec laquelle je ne joue pas, parce que là, ça ferait un peu beaucoup quand même. Mais bon, j'ai quand même gardé certaines des cartes événements dedans, pour mettre un peu de variété. Alors, c'est un ver enfouisseur. Alors, toujours, parfois, j'ai des problèmes de focus, un peu difficile. Voilà. Un horrible ver enfouisseur apparaît dans cette zone. Si vous êtes battu, en plus de perdre une vie, vous tombez dans son terrier et arrivez à l'entrée du donjon. Et ben voilà pourquoi.
pourquoi il aurait fallu enlever cette carte. Donc je vais en piocher une autre, puisqu'il n'y a pas de donjon, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc en fait, c'est pas du tout un ver enfouisseur, c'est une mule. C'est un suivant qui permet de porter des objets. Alors j'ai oublié de le dire, mais on n'avait que 4 objets maximum qu'on pouvait avoir avec nous. Et la mule peut permettre d'en porter 4 supplémentaires. Si on perd la mule, on laisse les objets indexés sur la case où on est. Très bien, donc le guerrier a une mule. Ça marche. Ok, donc maintenant c'est au troll. Alors on va regarder ce que symbolise. Parce que hop, ce qu'il y a sur la case rune. Alors, rune, donc là c'est le problème de talisman, le plateau est tellement énorme, parfois c'est un peu difficile. Donc, on ne pioche pas de carte, il y en a déjà une, ça ok. Ah oui, voilà, les créatures ont plus 2 en force ici, donc c'est pas spécialement intéressant d'y aller. Donc, on va faire un déplacement normal. On va jeter un dé. On fait 3. 1, 2 et 3. La caverne du démoniste. Alors je crois que la caverne du démoniste c'est très bien parce que ça permet de choper un talisman. Si ma mémoire est bonne. Alors vous pouvez lancer un dé pour accepter une quête. Voilà, c'est ça. Donc en fait on va venir là, il n'y a pas de souci. 1, 2 et 3. Et donc on va pouvoir faire une quête. Ça doit être expliqué juste ici. Quand vous avez accompli la quête, le démoniste vous téléporte immédiatement ici. Et vous donne un talisman si disponible comme récompense. Donc c'est excellent, c'est une des manières les plus efficaces de récupérer un talisman. Alors un talisman, il doit y en avoir un ou deux dans la pile d'événements, mais bon, c'est très rare de tomber dessus. Et ça, c'est une manière vraiment efficace. Donc on va voir quelle quête qui nous donne le démoniste. Donc on jette un dé. On fait 5. Donc notre quête est défausser 3 pièces d'or. Ok, donc il va falloir que je gagne de l'argent et que je défausse 3 pièces d'or et j'aurai immédiatement un talisman et je serai téléporté dans cette case. Ce qui est sympa, c'est que ça me permet maintenant de revenir en bas, sachant qu'on peut descendre sans aucun problème la sentinelle sans avoir besoin de l'affronter. En ce sens-là. Et du coup, je pourrais revenir dans un niveau un peu plus simple pour essayer de gagner de l'or. Donc voilà, maintenant mon troll va faire ça. Donc, on a une quête active pour le troll qui est de gagner 3 pièces d'or et des défausses. C'est au guerrier maintenant. Il fait 3. Alors, 1, 2, 3, il peut arriver là-bas, la citadelle. Ou alors au village. Bon. La citadelle. On va regarder ce qui se passe. La chapelle, pardon. Alors, la chapelle, ça dépend l'alignement. Et on est mauvais. Et donc, on perdrait donc un point de vie si on arrive là. Super. Donc, je pense qu'on va revenir ici. On va revoir notre ami occultiste. Donc, on va voir ce qui se passe. On jette un dé à nouveau. 5 cette fois-ci. On gagne un intellect. Bon, bah voilà, petit bonus. Ça peut pas faire de mal. Notre guerrier a donc un intellect désormais de 3. Ce qui lui permet d'avoir un sort, au passage. Le troll maintenant. Alors, le troll c'est simple, il va essayer de descendre pour aller trouver de l'or. Et le problème c'est que trouver de l'or, il n'y a pas. Pas 40 000 façons, hein, c'est que dans les rencontres. Il fait 2. Donc, c'est le gouffre. Ça, c'est pas terrible, le gouffre, de mémoire. Ou alors l'oasis ici. Je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir, il va aller sur l'oasis. Donc, l'oasis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? On pioche 2 cartes. Alors ça, c'est pas mal, ça. On pioche 2 cartes, donc ça augmente un peu les chances de trouver de l'or. Alors on espère qu'il va trouver un petit sac d'or caché derrière les palmiers. On va voir ça.
un mercenaire et une jardot. Bon, ben ça, c'est. On peut pas faire mieux au niveau symbolique, hein, trouver une jardot dans une oasis, ça, je pense que c'est pas mal. Et puis un mercenaire, donc la jardot, déjà, ça c'est fait, ça permet d'éviter de perdre des points de vie comme tout à l'heure dans le désert. Et mercenaire, donc c'est un suivant. Donc il s'est fait un pote, là, il y avait un mercenaire qui était en train de se restaurer, et ils ont dû taper la dispute, et tomber d'accord sur le fait de marcher ensemble. Il lui a probablement expliqué qu'il avait une quête à réaliser, qu'il avait besoin d'aide pour trouver de l'or. Sauf que, bah non, visiblement, ils tombent pas d'accord, hein, parce que le mercenaire, il veut qu'on le paye. Il veut qu'on le paye. Alors, en même temps, le troll, il a une pièce d'or. Donc là, on va voir ce qui se passe. Payez une pièce d'or si vous voulez du mercenaire comme suivant. Sinon, il attend ici un personnage qui veut bien l'engager. Quand il est votre suivant, il ajoute 3 à votre force au combat, jusqu'à la fin du tour, si vous le payez une pièce d'or. Donc en gros, c'est un bonus de plus 3 dans un combat en défaussant une pièce d'or. Sauf que vu que ma quête c'est d'obtenir 3 pièces d'or et que j'en ai déjà une, je pense que je ne vais pas engager ce mercenaire. Donc la carte va rester ici. Ok, c'est désormais au guerrier de bouger. Et il fait 6. Donc. 6, c'est simple, ça nous amène à chaque fois aux extrémités du jeu. Donc je peux aller soit à la taverne, soit à la chapelle. La chapelle, vu que je suis mauvais, on a vu tout à l'heure que c'est pas terrible, ça me fait perdre un point de vie. La taverne, eh bien, il faut lancer un dé et on voit ce qui se passe. Bon, c'est ce qu'on va faire. Alors au passage, si on fait 6, ça nous fait traverser. Il y a le battleur qui nous fait traverser. Donc on va voir combien on fait. Alors après, on peut aussi boire un coup de trop et perdre un tour. On fait 2, ça va pas être terrible, ça. Alors, vous êtes éméché et vous vous battez avec un paysan de force 3. Okay. Alors, un petit combat de barre entre le guerrier qui a donc une force de 4 et une hache. Il a donc 5. Et l'autre a une force de 3. Alors, le paysan éméché, il fait 5 en tout. Nous on a 5, on le bat. Alors par contre, malheureusement dans ces cas-là, il n'y a pas de trophée possible, parce qu'il n'y a pas de carte. Donc je pourrais pas le cumuler pour faire un bonus. C'est maintenant à notre ami le troll de continuer son évolution. Il fait 6. Alors là il pourrait se régénérer, il est à 4. Je pense qu'on va en profiter. On se régénère et on ne se déplace pas et on passe à 5 points de vie. Parce qu'on avait quand même perdu 2 points de vie, donc on va profiter de la capacité spéciale du troll et on se régénère. En plus, symboliquement, c'est aussi rigolo de voir qu'il fait ça dans l'oasis. Il doit prendre son temps, il se place un peu au soleil, il boit pas mal d'eau et il active sa régénération naturelle. Le guerrier. Alors, le guerrier d'ailleurs, qui était dans la taverne, j'avais oublié de bouger sa figurine. Un dragon juste à côté d'ailleurs, force 7. Ça pourrait être pas mal de battre, hein. Ça fait un point d'expérience direct. Hein. Donc, on va voir si on fait 1. On fait 3. 1, 2, 3, il y a le labyrinthe ici. 1, 2 et 3, il y a de la vie là-bas. Alors, on va faire ça et on prend de vie. Un point de vie supplémentaire pour le guerrier, qui est donc quand même vachement résistant. Hein. Il a 7 points de vie là. Ok, le troll. 4. 3 et 4, les runes permettent de piocher 2 cartes. Donc là, on va venir ici. Hein. Plus on pioche 2 cartes, plus on augmente les chances de trouver de l'or. Alors, voyons voir ce qu'on pioche. On pioche une ombre, intellect 2, donc ça va faire mal. Et un gobelin, force 2. Donc là, il y a 2 combats à faire, puisqu'il y en a un sur l'intellect et un sur la force. Normalement, on les cumule. Mais vu que ce sont des combats sur des capacités différentes, on va les faire séparément. Dans ce cas-là, on doit les ordonner dans l'ordre du petit numéro qui est ici, du plus petit au plus grand. Donc c'est 2 et 3. Donc c'est d'abord le gobelin qui va nous attaquer, force 2. Donc force 2, s'il fait 6, il est à 8. Nous, on est déjà à 8 parce qu'on a une force de 7. Et une épée qui nous ajoute 1, donc le gobelin ne peut rien contre nous, il est immédiatement tué. Il reste donc l'intellect 2, l'ombre,
En intellect, nous, on a 1. Donc là, par contre, on risque de perdre un point de vie. Donc l'intellect 2 fait 4, ça fait donc 6 pour elle. Nous, on a un intellect. Et on fait 2, on perd. Donc elle reste ici et on perd un point de vie. Bah, j'avais bien fait de me régénérer juste avant. Le guerrier. 4. Donc il peut faire 1, 2, 3 et 4. Il arrive dans les champs là-bas. 1, 2, 3 et 4. Le dragon. Ah! Alors est-ce qu'on tente de se faire le dragon là? Donc on va faire un petit récap du personnage du guerrier. Il est nul, donc ça lui sert pas à grand-chose. Une hache, donc il a plus 1. Et il a 4. Il a donc 5. Il a 5, le dragon a 7, le guerrier lance 2 dés pour le meilleur, ça se tente. Allez, ça se tente, on va prendre un peu de risque. Donc on va essayer de tuer ce dragon. Le dragon a une force de 7, on va jeter son dé. Et il fait 4, ce qui fait donc 11 au total. 11 au total, nous on a donc une force de 4 avec une hache, on a donc 5. Ça va être assez difficile puisqu'il va nous falloir faire un 6. Mais c'est jouable. Ah non, même pas, puisque un 6, ça ferait une égalité. Ah ouais, c'est bien ça. Et là, ouais, bon, bah, c'était un peu juste, hein. Bon, bah, on va voir si au moins on peut éviter de perdre un point de vie. Et non. Ok, bah, je perds un point de vie. En même temps, j'en avais 7, je pouvais me permettre de tenter le coup. Je perds un point de vie. Le troll. Le troll fait 5. 4 et 5. Les collines. On va aller là-bas. En même temps, si je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, allez. Colline, on pioche une carte. Orbe de savoir. Quand vous piochez des cartes aventure, vous pouvez défausser une carte de votre choix et en piocher une de remplacement dont vous devrez faire la rencontre. Ça, c'est très bien pour moi, ça va me permettre d'accélérer un peu mes pioches. Un petit récap sur les objets quand même du troll. Il en a 4. Donc là, à partir de maintenant, il pourra plus en avoir. En même temps, au pire, on défaussera le bâton, hein, parce que le bâton, ça lui sert un peu à rien. Ok. Le guerrier. Ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé le spectre. Hein. Il me laisse pas voir. Mais c'est incroyable ça. C'est vraiment. C'est la magie de talisman ça. Alors, il avance du coup. Le spectre, j'ai dû le réveiller. Hein. Et le guerrier bouge d'une case. Il va donc dans les ruines piocher une carte. Et il rencontre un sanglier. Force 1. Bon, donc le sanglier de force 1 au maximum il fait donc 7. Notre guerrier a 5, donc ça reste jouable pour le sanglier. On va jeter les dés. Donc le sanglier fait un total de 3. Donc du coup il est mort. Alors en termes de trophée, là on est à 6. On avait un ogre à 5 et un sanglier à 1, on est donc à 6. Donc un point pour faire un point de force. Le troll. Le troll fait 1. Ah bah ça y est, le spectre là il s'est réveillé, il s'arrête plus. Donc le spectre avance encore un coup. Et nous on fait 1, donc on pourrait descendre et piocher. Sauf que là, juste à côté, piocher 3 cartes. Ça m'intéresse beaucoup, vu qu'il me faut de l'or. Et l'orbe de savoir, si je relis. Je peux défausser une carte au choix parmi celles que j'ai. Donc là, je vais en avoir 3, je vais pouvoir en enlever une. Alors, donjon, je défausse. Hein, c'est plus simple. Donjon encore. Décidément. Ouais, ça, bon, j'en avais eu un autre tout à l'heure. Que j'avais pas défaussé. On va jouer le jeu, on va la garder pour téléphonique. Alors, donc je résume. On a
un portail runique comme tout à l'heure, un lion, force 3, et un gorille, force 3. Alors déjà, je vais en défausser une. Je vais défausser le portail runique. Et donc, grâce à mon orbe de savoir, piocher une autre carte. C'est toujours pas de l'or. Et un diable. Ok. Alors ça, c'est un événement. Alors déjà, il faut les ordonner dans l'ordre. Voilà, donc ça va être comme ça. Un diable vous rend visite. Si votre alignement est mauvais, vous gagnez une vie. Si vous êtes bon, vous perdez une vie. Et pas d'effet si vous êtes neutre. Mon troll est neutre, donc il n'y a pas d'effet. Et le diable se défausse. Ensuite, j'ai un gorille de force 3, un lion de force 3. Alors dans ce cas-là, on est sur la même capacité, on a deux ennemis, ils s'additionnent, c'est donc force 6. Et on jette un dé pour eux, pour voir combien ils font. Et ils font 4, ça veut dire qu'ils font donc 10 au total. Donc il faut faire 11 pour les tuer. Mon troll a donc 7 de force, plus son épée 8. C'est donc sur un 3+, qu'on les tue. Et on fait 4. Bravo. On les tue, alors on a probablement un bonus, là, puisque si on regarde les trophées, le troll, hein, là on est chez le troll, donc le troll il avait tué un gobelin, donc là 3 et 3, si c'est de 8, ça fait plus que 7. On peut défausser donc ça et obtenir un nouveau bonus de force. Le troll commence à être pas mal, hein, il est à 8. Il est à 8 de force. 6 plus 2. Mais il n'a toujours pas son or. Là on voit que le but du troll, hein, c'est de trouver le talisman. Parce que à 8 de force, ça commence à être jouable d'ouvrir la porte du pouvoir. Hein, vu qu'on fait en moyenne 7 sur un dé, c'est sûr que ce serait mieux d'être à 10. Vu que ça commence à être jouable. Le guerrier. Le guerrier fait 2. Bon, il va aller dans les champs. Ah non, c'est dans la forêt, pardon. C'est dans la forêt, et dans la forêt, de mémoire, avec sa hache, il peut fabriquer un radeau. C'est ça. Donc, bon, il est qu'à 4 en force par contre. C'est un peu juste. Hein. C'est un peu juste quand même pour être là-haut. J'hésite. Ouais, et il ne manque plus qu'un ennemi. Bon, non, on va rester là. Donc on va piocher. Alors, en même temps, on peut pas piocher de carte ici. J'attendais. On risque de se faire attaquer. Ouais, non, on va faire le radeau, hein, on va pas hésiter. Donc je fais un radeau, et donc au tour prochain, je serai au château. Ça, c'est ce que fait le guerrier. Le troll. Le troll fait 4, donc il peut descendre. Ça l'amènerait 1, 2, 3 et 4 là-bas, ou ici dans les bois, et il piocherait une carte. On va faire ça. Hop. Pioche une carte. Ah, un sac d'or. Donc ça, c'est cool. Ça me donne une pièce d'or. Il ne me restera plus qu'une pièce d'or à avoir et j'aurai mon talisman. Je défausse. Je prends une pièce d'or. J'ai donc deux pièces d'or pour le troll. Il n'en manque plus qu'une. Pour que sa quête soit remplie. Le guerrier. Alors, le guerrier ne jette pas de dés puisqu'il a fabriqué son radeau. Il traverse et il arrive au château. Au château, on peut soigner pour une pièce d'or des points de vie perdus, mais je suis au maximum des points de vie, en plus je n'ai pas d'or, donc il ne se passe rien. Au troll. Il fait 6. Eh ben, le troll, quand il fait 6, on en profite pour se régénérer. Hein, il n'est plus qu'à 4 points de vie. Il va donc en reprendre 1 et passer à 5. Sachant qu'il a un total de 6 autorisé. Le guerrier. Le guerrier fait 4. 1, 2, 3 et 4. Il peut arriver sur le portail. En même temps, il n'a pas de gourde, donc il perdrait un point de vie. 1,
2, 3 et 4, il arriverait dans les collines. Et il pioche une carte. Il rencontre la princesse. Alors, le guerrier et la princesse, on est dans le super cliché de l'héroïque fantasy. Et elle est très gentille, elle nous permet de soigner gratuitement jusqu'à 2 vies par visite au château. Donc c'est en gros, si on se rend au château avec la princesse, eh ben, le médecin du château nous soigne gratuitement. On peut aussi échanger la princesse contre 3 pièces d'or au château. Donc sous-entendu, on a sauvé la princesse et on l'a ramenée au château. Alors ça, j'aurais bien aimé avoir ça avec le troll, mais bon, c'est le guerrier qui l'a. Alors le troll. Le troll fait 3. Le village, 1, 2 et 3, la chapelle là-bas. Bon, allez, on va aller voir l'occultiste et on va voir ce qui se passe. Donc, on jette un dé, on fait 3. On est donc ignoré, il se passe donc rien. Le guerrier fait 2. Alors, il y a le chevalier noir ici, on va plutôt l'éviter parce qu'il est très fort, si ma mémoire est bonne. Ouais, on paye des pénalités quoi. Et là-bas, c'est les runes. Et les runes, les ennemis ont 2 de force en plus. Alors, on va tenter le coup. On pioche une carte. Ah, voilà, un loup dans les runes. Donc, il est donc à 4 au lieu d'être à 2. Et nous, on est à 4 plus 1 grâce à la hache, on est donc à 5. Donc le loup fait 3, il est donc à 7. Et le guerrier fait donc 5 plus 5, 10. On bat le loup, et là on est assez content. Parce que on avait également en trophée un ogre. Et donc l'ogre de 5 plus le loup 7, ça nous fait donc un point de bonus en force. Enfin, qu'on peut prendre. Donc, le guerrier a désormais une force en plus. On voit que c'est grâce au 2D. Hein. Le guerrier, ça, il est vraiment fort grâce à ça. Le troll, maintenant. Fait 2. Et ben 2, c'est pas génial pour lui, 2. Parce que c'est soit le spectre... c'est de l'intellect, soit la forêt, et la forêt, on sait pas trop ce qui nous arrive. Hein. On va voir la forêt. Et on fait 2. Vous êtes perdu, on perd le prochain tour. Okay. Le guerrier. Le spectre bouge. Soit dans la clairière maudite. Donc on ne pioche pas de carte, il y en a déjà une. La force et l'intellect tirés d'objets ou d'objets magiques ne comptent pas. On ne peut pas utiliser d'objets magiques ni lancer de sort. Ok, on va venir là. On va venir là. Et on voit ce qu'on rencontre. Ceinture magique. Donc on a trouvé un objet magique dans la clairière maudite. Très bien. C'est notre deuxième objet pour le guerrier. Le troll se relève et ne joue pas, et le guerrier joue à nouveau. Il fait encore 1, ce qui fait avancer le spectre encore. Qui arrive dans l'oasis, donc on n'est plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste encore une dizaine de tours avant de perdre le jeu. Pardon, j'ai fait 1, donc quand même il va pouvoir bouger et jouer le guerrier. Et ben, on va revenir aux runes. Hein. Donc il y a plus 2 s'il y a un ennemi. Un dragon dans les runes, donc force 9. Ça va être un peu compliqué quand même. Hein. Donc 9 pour le dragon, plus un dé. Donc le dragon est à 12. Alors le guerrier, un petit récap. Le guerrier, il est donc à 5 de force, il a une hache qui lui donne plus 1, et une ceinture magique plus 1. Donc on est donc à 5 plus 2, 7. 7, et le dragon
a fait 11. Et on fait 12. Excellent. C'est bien ça, un dragon avait fait 4, donc il était à 11. En fait, c'est simple, j'étais à 7, il est à 7, il a fait 4 et j'ai fait 5, je le bats donc. Excellent, ça me permet d'obtenir un point de force immédiatement puisqu'il vaut 7. Et donc le guerrier en profite pour gagner de l'expérience. Et a désormais une force brute de 6, au lieu de 4. Très bien. Il faudrait un talisman pour le guerrier et à la fois pour le troll. Donc le troll, il lui faut une pièce d'or, hein, impérativement. Le troll fait 6, donc là il va pas se régénérer, il va bouger. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il va piocher dans les bois. Et je tombe sur un alchimiste. Donc c'est un suivant. L'alchimiste peut transformer vos objets en or. Défausser un ou plusieurs objets et gagner une pièce d'or pour chaque. Il ne peut inverser la procédure. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça me permet de remporter la quête parce que si on regarde le troll. On va défausser le bâton qui sert vraiment à rien pour le troll, hein, pour le transformer en pièces d'or. Du coup, j'obtiens 3 pièces d'or que je défausse, ce qui me fait remporter ma quête et me téléporte immédiatement dans la caverne du démoniste en chopant au passage un talisman. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le troll a désormais un talisman et va pouvoir essayer d'aller terminer le jeu. C'est au tour du guerrier. Le guerrier fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ou alors 1, 2, 3, 4 et 5 là-bas. Je pense qu'on va redescendre et qu'on va piocher ici. Non, il va falloir que j'essaye d'aller avoir une quête aussi. C'est un peu con ce que je fais là. Alors j'étais là, 1, 2, 1, 2, ça m'amène là-bas. Allez, on va tenter ça. On pioche une carte, si c'est un monstre, il a plus 2. Bouclier, ça c'est cool. Si on est battu au combat. 5 ou 6, c'est une sauvegarde sur 5 ou 6. Niveau objet, j'en ai que 2, je peux en avoir 3 et puis j'ai une mule, donc tout va bien. Donc on a trouvé un bouclier. C'est au troll maintenant. Alors maintenant que le troll a son talisman, c'est simple. Hein. Il va falloir qu'il se rende sur la porte du pouvoir ici et qu'il essaye de l'ouvrir. Il a 8 de force, c'est assez jouable. 2, 1 et 2, il peut être là. Ouais, on va venir là. Et donc, comme on doit piocher 2 cartes ici qu'on a déjà eu, on n'en pioche qu'une. Potion de force. Quand vous buvez cette potion, elle augmente la force de 2 jusqu'à la fin du tour. Ah ben ça, c'est très bien pour la porte du pouvoir. C'est parfait. Donc, par contre, j'ai 4 objets. Je dois donc m'en défausser d'un. Et je pense qu'on va défausser la jarre. Enfin, on la défausse pas en fait, on la laisse sur la case où on est, donc symboliquement, ça a du sens, il y a déjà dans l'oasis. Ok, le guerrier maintenant, le guerrier fait 3, et ben voilà, c'est parfait, le guerrier va pouvoir aller voir le démoniste et découvrir quelle quête de la voir. De la quête est donc, tuer un ennemi. Très bien, dès qu'on a tué un ennemi, on est téléporté ici, on a un talisman avec le guerrier. Alors, le troll maintenant, on va se précipiter vers la porte du pouvoir. On fait 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive donc au château. Enfin, on va réussir à tomber dessus à un moment, c'est ça qui va être difficile. Maintenant, le guerrier. Fait 3. Alors, il arrive donc ici, mais il perdrait une vie parce qu'il n'a pas de gourde. Il va retourner aux ruines en plus. Aux ruines. Sorcière. Alors, ça, je pense que c'est assez embêtant.
Une sorcière rôde dans cette zone. Alors, il faut lancer un dé pour voir ce qui nous arrive. Ça peut être pas mal. On récupère du destin jusqu'à notre valeur maximum. C'est toujours maximum. Il se passe rien. Voilà, bon, j'ai eu un vrai souci avec la batterie, donc j'ai pas pu filmer la fin de la partie. Donc juste pour conclure, bon, j'ai pas pu terminer la partie parce que bon, grosso modo, je me suis un peu trop précipité vers la fin du jeu, trop rapidement, et j'ai décidé d'arrêter la partie. Voilà, je veux être honnête, hein, ça avait un petit côté un peu fastidieux. Je pense que Talisman, c'est vraiment un jeu pour s'amuser entre amis, et même avec cette variante solo, bon, ça peut être amusant, mais la partie a tendance à durer un petit peu trop longtemps. Et on a tendance à s'ennuyer quand même de par le manque de stratégie disponible pour le joueur, surtout quand on est tout seul. Quand on est à plusieurs, c'est pas très grave parce que c'est un jeu qui est assez rigolo. Il y a toujours des situations un peu loufoques qui se créent. On peut jouer, on peut aller embêter les petits copains, essayer de les freiner. Donc il y a cette émulsion-là qui se crée quand on est plusieurs, qui disparaît totalement quand on est solo. Et voilà, faut être honnête, le fun du jeu est quand même pas mal diminué quand on est seul. C'était rigolo au début, et puis c'est vraiment devenu fastidieux sur la fin. Et on s'aperçoit qu'il va falloir encore une bonne heure avant de réussir à arriver dans les dernières cases. Et puis bon, bah on arrête quoi au bout d'un moment. Voilà, bon, cela dit, c'était assez intéressant quand même de faire la vidéo. Ça permet aussi de découvrir ce jeu qui est quand même un grand classique. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu de toutes les vidéos de Space Crusade dernière. Cela dit, sur Space Crusade, j'ai des petits trucs en préparation grâce à une personne qui est rentrée en contact avec moi suite au blog et aux vidéos. Mais j'en dis pas plus pour le moment. On verra ça plus tard, dans une vidéo prochaine. Et puis, il y a bien sûr Execution Force qui arrive aussi. La peinture avance bien. On verra ça aussi ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, bah je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.